Everybody was Vous avez eu peur, hein? Moi aussi. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une activité très pratique en Nouvelle-Calédonie, à savoir le karaté. Il faut savoir qu'il y a près de 1000 karatékas en Nouvelle-Calédonie et que ce sport peut se pratiquer même chez les tout-petits. C'est quoi qui vous a donné l'envie de faire du karaté? Les films. C'est vrai? Oui, et avec ma cousine aussi, elle fait du karaté, donc elle m'a mis sur le bon chemin. Et toi? Moi, c'est pour bien apprendre à me défendre. Quand je serai grand, si on m'attaque, comme ça, je sais me défendre. On apprend à faire le respect des... à respecter les autres et aussi à se maîtriser. Et quand si on perd ou si on gagne, on doit toujours se respecter. Car avant d'être un sport de combat, le karaté est avant tout ce que l'on appelle un art martial, avec des exercices de discipline basés sur une philosophie créée il y a plus de 1400 ans. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on apprend au karaté? Déjà, on apprend la maîtrise du geste, on apprend des gestes. Donc, on n'apprend pas à taper, on apprend à contrôler d'abord. Donc, c'est tout un contrôle de soi, en fait. On a un code moral, donc on vient pour apprendre d'abord des valeurs et puis une philosophie de la maîtrise de soi. Et moi, c'est ce qui a fait partie de mon éducation, donc les valeurs qu'on apprend, que j'ai appris au karaté, ça m'a permis de grandir, on va dire. Mais alors, une question, pourquoi les karatékas portent des ceintures de couleurs différentes ? Au karaté, comme dans la plupart des arts martiaux, les grades se différencient à l'aide de ceintures de différentes couleurs, qui représentent donc différents niveaux. Mais les ceintures ont aussi un autre symbole. La ceinture jaune, par exemple, représente la confiance en soi. La ceinture orange, le kimé, la percussion. La ceinture verte, la concentration. La ceinture bleue, la détermination. Et la ceinture marron, l'autonomie. Chaque passage de grade se symbolise par la connaissance de différents katas et dans la réussite de certaines techniques et autres règles pendant les combats. Il faut savoir qu'après avoir obtenu sa ceinture noire, le karatéka pourra ensuite poursuivre son évolution en passant des danes. Mais être ceinture noire, ce n'est pas rien. Cela signifie que l'on est parvenu au premier stade de la philosophie du karaté et que nous sommes désormais qualifiés pour étudier la subtilité des techniques et méditer le sens profond de cet art martial. Il ne faut surtout pas oublier que recevoir la ceinture noire, c'est avant tout un honneur. Et en parlant de ceinture noire, nous sommes justement partis à la rencontre d'un champion. Il s'agit de Jean-Christophe Taumotekava, médaillé d'or lors des Jeux du Pacifique 2011. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir et de répondre à nos questions dans l'émission PEPS. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de faire du karaté? Déjà, pour commencer, mon père a toujours voulu faire du karaté. Mais à l'époque, il ne pouvait pas. Donc, je pense que c'est moi qui ai eu cette envie quand je suis sorti du ventre de maman. Donc, et après, les films de Bruce Lee et toutes les stars qui ont fait des films de karaté. Et à quel âge as-tu commencé? J'ai commencé à l'âge de 4 ans, au club du NKC à la Vallée du Tir. Donc après, j'ai continué et en faisant les compétitions, j'ai pu partir en France pour faire les championnats de France, les Coupes de France. Et ça m'a permis ensuite de quitter la Nouvelle-Calédonie pour partir en métropole et intégrer le Pôle France de Montpellier. Pour arriver au Pôle France de Montpellier, j'ai dû valider mon BEP vente que je faisais ici au lycée La Conception. Et c'était la clé pour ouvrir la porte pour rentrer au Pôle. C'était ma condition pour rentrer en Pôle France. Comment ça se passe, ces entraînements? J'ai entraînement tous les jours, donc du lundi au vendredi. Ensuite, quand on a les stages avec l'équipe de France, on est le week-end en stage équipe de France, des fois sur toute une semaine. Des fois, tous les week-ends, quand les compétitions se rapprochent, notamment les championnats d'Europe ou les championnats du monde, on a entraînement tous les jours, tous les week-ends, on est en compétition. Ça devient une habitude. Après, c'est un choix qu'on a fait. Hein. Tous les sportifs diront que de toute façon, pour gagner, il faut s'entraîner. Donc, c'est mon quotidien. Donc, en plus, avec ma formation que je dois monter sur Paris pour mes cours, donc moi, ça me gêne pas. Au contraire, j'aime ça et c'est pour ça que j'y suis encore. Quelles seraient les qualités requises selon toi pour faire ce sport? Tout le monde peut faire du karaté. C'est un sport complet qui utilise les poings, les pieds, surtout le contrôle de soi. Donc tout le monde peut faire du karaté, aussi bien en compétition que juste l'art du sport en loisir. Donc il n'y a vraiment pas de critères définis pour faire du karaté.
Et à force de me parler de karaté, ça m'a donné envie de m'y mettre. Quelques accessoires enfilés et Bruce Lee n'a qu'à bien se tenir. Bon alors, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui ? Bon d'accord, déjà on ne saute pas. Si, okay. Justement, on saute. Ok. Je vais te montrer déjà la garde, tu vas te mettre en garde. Je suis droitière, donc. Comme tu te sens, voilà. Okay. Une main là. D'accord. Ok. Et tu vas faire tout simplement, tu vas tendre ton poing ici, ton bras avant, et tu vas avancer pour me toucher comme ça. Voilà. D'accord, ça comment ça s'appelle ? Un kizami. Ok, kizami, ok. Ensuite, tu as le bras arrière. Ok. Donc là, tout ce que tu as à faire, c'est juste tendre ton bras arrière. Voilà. Okay. Ça, c'est un gyakuzuki. D'accord. Et après, tu as les jambes. Ok. Donc avec la jambe avant, oshigiri. Ça fait super peur. Non, mais je peux pas faire ça. Moi, je vais tomber. Hein. Je tombe, hein, moi, direct. Hein. Ok. Je suis pas du tout souple, en plus. C'est ça. Ok, d'accord. Parfait. Génial. Et est-ce que, enfin, en combat comme ça, tu peux mettre les gens au sol, les faire tomber et tout oui, ça? Oui, bien sûr, il y a des techniques de balayage. Alors, jamais tu mets au sol, je suis sûre. T'inquiète. Ok, on essaie? Allez, on essaie. Mais moi, je fais quoi, du coup? Je te laisse tomber. Bon, je crois que le karaté, c'est vraiment pas fait pour moi. La prochaine fois, promis, je me mets à la danse. En attendant, le CDP et moi, on vous retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même... Peps! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.